Salut à tous, c'est Trancan, on se retrouve à nouveau. Salut à tous, c'est Trancan, on se retrouve à nouveau dans FF13 TMTC. Bon, on a laissé Serra en plan, vu que de toute façon elle est plus ou moins collée au sol. Donc c'est pas la peine d'essayer. Et bon, il y a les. Et les militaires qui nous poursuivent. Ça c'est fait, on l'a déjà utilisé. Ah oui, j'étais revenu sauvegarder parce que. On avait profité. Qui est pour ça? Je me rapprochais un peu. みんな逃げられたのかな。だといいが。ここを抜けても逃げ場はねえしな。ファルシの近所に住んでただけで、パルスに染まった害虫扱いだ。本当にパルスが憎いんだね。違うな。怖いんだ。 数千万の国民市民がみんなパルスを恐れてる。パルスの奴らを一人残らず始末しねえと夜も眠れねえってほどな。でもあの町の人をみんなパージなんて。ああ、おかしいな。なのに政府のファルシはパージを止めなかった。これまでは政府の人間が判断を間違え、 パルシエデンが修正したんだ。人間には愛想が尽きたから勝手に殺し合えってことかね。ルシは人間じゃないです。ちょっとあんた、呪われても 生きてるよ。この一帯を包囲して生き残りを封じ込める気だ。包囲の輪が閉じる前に脱出する。 Eh bien partons. Pas de temps à perdre. Ah les soldats, bonjour. Voilà, maintenant qu'on a un peu plus de capacité offensive, les combats vont être plus rapides, mais on peut mourir aussi, on a vu la dernière fois. On peut se faire bourrer très facilement. Donc les stratégies, voilà. Oh mon dieu, des mixeurs! Des robots mixeurs! Polyvalence. Thank you.
Ah. Et voilà. Des circuits numériques. Et non pas des circuits digitaux, parce que je vous rappelle que digital ça veut juste dire lié au doigt. Donc voilà. Hein. Tout est digital. Circuit numérique, très bien. Des petits boulons, c'est pour Ratchet. Très bien, continuons. C'est marrant, c'est que ça, il y avait un peu le même genre de mouvement dans FF7. Certains passages où tu sautais automatiquement des plateformes. D'abord aller voir là. Eh ouais. 50 gills. Pour descendre? Oui. Et effectivement, il y avait un trésor des deux côtés. Huile de paraffine, ah, c'est pour faire de la varappe. Ah non, c'est de l'huile. Mais c'est l'idée quoi. Sinon, j'aurais pu juste revenir en arrière au début. Ça aurait été plus simple. Merde. Attends, on se bat contre une moto. Un drone et une moto. Avec ses flingues jaunes là, dégueulasse. Ah, on n'est pas allé assez vite du coup. Sûrement ça. Ok, allons d'abord là-bas. Câble isolé, très bien. Regardez s'il n'y a pas un coffre. クリスタルになるっつうのは。
どんな気分なんだろうな。使命を果たすの？肝心の使命がわからんしな。どうせろくでもないことだろうが。セラは何か言ってた？自分の使命のこと。何も。心配させたくなかったんだよ。それとも信頼されていなかったかな。あ、bonjour. Attaque surprise, non? Oui, si. Yes. Ça va, c'est des robots, c'est pas grave. Du loot, du loot. Encrassé, très bien. Quel est donc cet endroit? Un petit point de sauvegarde. Allez, celui-là, on le prend. Eh ben bonjour. Soit, faisons ça. Ah oui, mais des petites patates quand même, hein. Un truc là. Alors 600 gills. Non, là y a rien. Comme ça on peut les prendre à revers. Au dernier moment, quoi. Dégoûté, dégoûté.
Je me suis fait détecter. La DA est quand même très cool. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Avec les flammes cristallisées, oui, c'est rigolo. Donc, oui, le cristallium, parce qu'on a quand même des PC là. J'ai pas fini l'attaquant. Donc là on est bon. Merde. On est bon avec l'attaquant niveau 1. Commencer avec le ravageur. Ok. Alors Micheline, au niveau... Ok, soigneur, il manque le bonus PV. Peu. Ah mais lui on a 3, fait chier. Tacticien c'est bon? Oui, mon soigneur. C'est qui part. Ok. C'est parti! Attaque surprise? Je crois. Yes! C'est ça, lui, on lui... Il a pas l'air cool, alors on lui met la max direct. Il n'y a plus qu'un soldat déjà. Voilà. Donc lui maintenant il a feu et air comme attaque, donc ça c'est pas mal. J'ai été repéré. On va peut-être tuer les petits en premier là. Voilà. Peut
putain, il a une petite barre de choc. Hein. Bon, c'est pas la taille de la barre de choc qui compte, mais quand même. C'est bien. Elle avait plus beaucoup de PV, Lightning. Voilà. On a vu la dernière fois hein, qu'il faut pas attendre le dernier moment pour utiliser les soins. Parce que le temps ne s'arrête pas quand on change de tactique. Bague étincelante. Résistance à la foudre. Tiens, tiens. Allez. Mais il n'utilise pas de foudre, mais... L'augmentation des objets de soins, c'est pas forcément le plus utile du monde. Pour l'instant, j'ai l'impression. Je regarde s'il n'y a pas un coffre caché. C'est jamais, hein. Des potions. J'ai essayé de les prendre à revers, mais ça n'a pas marché. Bon, après, eux, ils sont nuls, hein. Voilà. C'est les ennemis du début. Ok, calmons-nous. Bon, pareil, hein, faire les petits en premier. Voilà. Comme ça, le bourreau. Mais je vous défonce. Je vous défonce. Vous avez gâteau. Mi-hérite. Très bien. Bien, ça marche. Oh, il n'y a pas eu le point d'exclamation. Yes! Il était de face, mais il est mort. Thank you.
easy. Et facile. Genre ça tend les embuscades mais c'est pas foutu de se défendre quoi. Petit détour. J'ai envie de passer par là parce qu'on sait jamais. Petit coffre. Non, c'est bon, il n'y a pas d'attaque par derrière. Film ferroélectrique. D'accord. Film de l'aluminium quoi. C'est utile. Pas vraiment. Petit salaud. Pendant que j'étais en train de faire mon moulinet là, tranquillement pour le style. De Phoenix. Deux analyseurs, mais on a déjà acuité. On n'a pas vraiment besoin de ça. Ah oui. C'est un dragon blanc aux yeux bleus.
c'est un Garuda. Akmitsi. Oh, il est nul. Il est nul. Il a deux visages. Il a une bouche dans le cul. Il a une bouche dans le cul. Regardez, il a une bouche dans le cul. Une bouche dans le cul. Une bouche dans le cul. Il va faire un final flash. Tibata. Allez, choc. Oui, choc. Il y a beaucoup plus de PV tout à l'heure. Mais il a toujours une bouche dans le cul. Allez, salut. Équipe en pièces. Zaz a désormais accès au rôle de tacticien. Vanny a désormais accès au rôle de saboteur. Là, c'est cool. C'est la chouette de Zelda. Ah, c'est un vaisseau. C'est le Tiny Bronco. Ouais, on sauvegarde, ouais. On sauvegarde. C'est vrai qu'il y avait Snow tout seul dans la glace, dans le cristal. Enfin, dans le lac. Enfin bref, il était tout seul, quoi. Mais comment ils savent ? Oui, c'est la même technique que Lightning en fait, ça.
sont beaucoup, hein. Ah mais ça va, c'est que 3 par 3. Les autres attendent. C'est gentil. Ta mère est tellement grosse. Ah. Alors combat d'Eidolon. C'est les invocations. Les Eidolons sont les êtres puissants que vous devez vaincre au combat pour en gagner le contrôle. Mais les attaquer ne suffit pas pour remplir la victoire. Souhaitez-vous le dire les points? Oui. Oui, oui. Au début d'un combat contre un Eidolon, une limite de temps vous est imposée par le décompte du sort Aigla. Montrez vos pouvoirs à l'Eidolon et sa jauge de symbiose se remplira progressivement. Continuez l'assaut jusqu'à ce que la jauge soit remplie et appuyez sur pour remporter la victoire. Pour attaquer n'est pas la seule manière de charger la jauge, utilisez la technique acuité pour avoir des indices sur une solution alternative. Vous découvrirez ainsi que quel rôle est le plus à même de permettre d'entrer en symbiose avec ces Eidolons. Ok, donc j'ai 3500 secondes. Acuité. Il faut la taper quoi. Ok, c'est en mode ravageur. C'est pas cool ça. C'est pas cool madame. On va pas chercher à comprendre. C'est deux filles qui font les ciseaux et ça fait une moto. Ta gueule. Eidolite de Shiva. Eh oui, c'est Shiva. Snog, elle a un segment ATB. Génial. Et Shiva, du coup.
間中、シバ。ねじ伏せたのは褒めてやるが、後悔すんなよ。あの時楽にしてもらえばよかった。なんて。まだ嫌がったか。間違いない。武士だよ。やめろ。命が惜しけりゃおとなしく運ばれな。心配しときな。続いてパージに関する情報です。政府の発表によりますと、先ほどパージが完了し、国運を旅立った市民は全て無事にパルスへ到着したとのことです。おっしゃる通りです。パージ政策は大きな痛みが伴うことは否定できません。しかし数千万の国軍市民を守るにはやむを得ない状況でした。ザイスリー代表はこのように述べ、パージの必要性を強調しました。今後再びパージが行われるのかという質問に対しては、パルシエデンの指導を仰ぎ総合的に判断すると述べるにとどめました。政府に都合の悪い話は全部隠してやがる。かの黙示戦争より長きにわたり、国軍はパルスの侵略を受けることなく大いに栄えてきました。この平和を永遠に守り続けること、それが政府の使命であります。政府は今後も全力を挙げて国軍の平和を脅かす敵と
戦い続けるでしょう。俺たちは死ぬまで追われるわけだ。あのさ、うん、誰これ？近頃のガキときたらガレンス第3政府の代表だよ。人殺しの親玉だ。緊急世論調査によりますと、こいつもファルシの道具だ。 90% 近くがパージ政策を支持しています。必要な場合はさらにパージを行うべきとの回答も7割に達しています。どいつもこいつもイカれてやがる。暇な奴らだ。Ouais, on va sauvegarder, ouais. Les infâmes terres mortes de Cocoon. Ça a l'air sympa. Le royaume de la mort. Oui. Baston. On n'a pas encore de nouvelles stratégies ici. Si on peut éditer des stratégies pour modifier certaines ou pas. あっちの方が頼りになるぜ。すいません。ねえ、逃げようよ。逃げてどうにかなるのかね。国軍全部が俺らの敵だ。どこまで逃げても追い回される。どうせもうじき死骸だしな。まだ平気だよ。簡単に諦めないでよ。諦めちゃいねえが、世の中どうにもなんねえこともあるんだよ。ガキにはわからんだろうがな。わかんないよ、ガキだから。
まあガキと一緒に迷子じゃしゃあねえな。逃げようや。うん。おいおい。よっしゃ。Et pas de coffre? Et pas de... Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça brille? C'est parce que c'est du décor. Très bien. C'est un câble électrique. Ok, ça marche. On se dépêche, hein, parce que... Il est temps. Hein. Ok. La caméra nous montre la droite, du coup je vais à gauche. Ah bah, c'était à gauche.何やってるか、ファロン君さ。花火なんぞに願い事か。貴様それでも軍人か。申し訳ありません、総長。自分は会場警備に飽きまして。まあ、お前さんには退屈な仕事だろうな。今日はもう帰っていいぞ。いや。近所の遺跡で。サイコムが何か見つけたらしい。俺たち警備軍は邪魔だから撤収しろとのお達しだ。俺この前エイブリーで峡谷のプラントで事故があってからサイコムの連中やけに気が立ってるだろう。事故ではなく事件だそうですが、パルス絡みの。明日は休暇だったな。ええ、誕生日なので妹がどうしても休めと。21歳だったか。俺からの贈り物は士官候補生コースへの推薦状だな。総長、出世して妹さんを喜ばせてやれ。若いもんは未来だけ考えてりゃいい。余計なことに首を突っ込むな。パルスの件には関わるなと。ああ、ろくなことにならん。妹さんも悲しむぞ。おお、ほれ見ろ。あんたが正しかったよ、総長。他は？多分後から。待ちますか？Eh bien, très bien. Alors, Hope a accès au rôle de tacticien, qui consiste à augmenter les capacités offensives et défensives de l'équipe. C'est un buffer. Au début, ses compétences seront cependant principalement centrées sur les capacités défensives, ce qui est très bien. Hope ne connaît pour le moment que la compétence bouclier, qui augmente la résistance physique. En progressant, il pourra également apprendre la compétence barrière, qui augmente la résistance magique. Incroyable. Posséder ces deux compétences est primordial pour se protéger des attaques des deux types. C'est vrai. Pour faire progresser Hope, vous voulez... Oui, non, mais ça va, on connaît quand même. À un moment donné, ça va. À un moment donné, ça va. Faut arrêter non plus de nous prendre pour des débiles. Mais après, c'est vrai que quand c'est ton premier FF... C'est bon, j'ai barrière. Alors oui, les arbres, les cristariums, ils vont se débloquer au fur et à mesure.
C'est-à-dire que même si on est à, de... par exemple là, 3, 5, 3, 3, ça peut être amené à augmenter. Et ça va être amené à augmenter de toute façon. Vous voyez, attaquant, là, elle est passée à 8, à 6, 8, 5, 4. La force. Électro-impact. Ok. Oh, un objet. Saloperie. Un analyseur, on s'en ouf. Et on va se quitter là pour le moment. Je vous fais des bisous. À plus tard.